Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer le diamond painting, la cascade. Donc j'ai déjà bien avancé hier. Donc vous allez voir Fifi, marche pas sur mon ordi, merci. Donc vous allez voir aujourd'hui la suite. Voilà, donc hier j'ai pas filmé hein, parce que bon, je vous ai dit sinon ça va être trop long. Je vais vous filmer une fois tous les deux ou trois jours la suite de ce diamond painting. Voilà, il me plaît beaucoup à faire. Comme j'avais dit, hein, c'est des diamants ronds, donc j'en avais jamais fait des comme ça, et c'est très bien, c'est pas mal. Voilà. Donc là, bon, je suis dans la partie où il faut changer beaucoup de couleurs. Là, par l'instant, bon, là, je suis dans les. C'est pas des blancs, c'est du gris très très clair, c'est blanc cassé. Donc je ne fais pas du vrai blanc, heureusement. Donc je suis dans cette partie-là. Donc vous allez voir. Et on va continuer donc ensemble. Ce que j'ai déjà fait, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait hier. Voilà, je vais vous montrer au plus près. Voilà, donc vous voyez, je suis quand même bien avancée. Et là, donc, on va continuer. Alors, sinon, l'après-midi, en ce moment, ben, je fais du cartonnage. Je suis en train de préparer une commande qu'on m'a fait sur la boutique. Donc, je vous ai mis dans la communauté. Hein, donc, vous regardez en haut, la barre, c'est marqué communauté. Je vous ai mis la photo de ce que je suis en train de faire. Donc, c'est une armoire à clé. Donc là, je vous ai mis la photo de où j'en suis arrivée. C'est pareil, ça va aller très vite à faire. J'ai déjà fait le tissu extérieur, il va me rester le tissu intérieur et le dessous et à terminer le tiroir, voilà. Et après il me restera à mettre les poignées, voilà, les choses comme ça. Et aujourd'hui j'ai aussi fait, j'ai commencé à refaire des bijoux, enfin pour l'instant j'ai refait une paire de boucles d'oreilles, voilà, pour la boutique. Donc ça c'est pareil, je vais en faire ce week-end. Je vais en faire plusieurs ce week-end. Donc, on les retrouvera également dans la boutique. Voilà. Mais je vous les mettrai dans la communauté également. Et je vous ai mis... Donc, je vous ai mis la photo de la paire que j'ai fait aujourd'hui. Et je vous ai mis le lien de la boutique, bien sûr. Comme ça, si ça intéresse quelqu'un pour l'acheter, ben, n'hésitez pas. Hein. Vous cliquez sur le lien. Donc, si vous n'avez pas de Facebook, ben, vous me contactez par email. Si la paire de boucles d'oreilles n'est pas vendue, il n'y a pas de souci, on fera ça par email. Voilà. Allez, je vais changer le téléphone de place. Oui, mais la maman ne peut pas te prendre. Oui, maman ne peut pas. Et je vais vous laisser visionner la suite de mon diamond painting.
Thank you.
J'arrête pour aujourd'hui. J'ai mon dos qui me fait trop mal là, c'est bon. Non, mais j'ai bien avancé, je pense. Bon, il y a encore beaucoup de trous, mais bon, des fois j'avance sur une couleur. Et là, bon, ce qui est noir, là, il fait trop sombre pour moi le faire. Donc ça, je le ferai dans la journée. À la lumière du jour, ça sera beaucoup mieux. Mais sinon, voilà. Tellement grand. Voilà. Je pense que j'ai quand même pas mal avancé. Non, j'attends encore. Tu prends quoi? Je t'explique pourquoi tu es là. C'est pour ça que tu es là. C'est pas pour ça. Voilà. Hop. Voilà. J'avais dit quelque chose, je ne m'en rappelle plus. Bon. Donc là, je referai un petit peu hors caméra, puis je referai avec la caméra peut-être un peu ce week-end, je verrai. Sinon, ce week-end, je vais voir. Sinon, peut-être vous faire du scrap. Je vais voir ce que je vais vous faire. Là, bon, maintenant, il faut que j'avance. Alors, il y a du nouveau. Voilà. Normalement, c'était mon mari qui devait faire le Johnny Hallyday. Mais en fin de compte, il a changé d'avis. Allez, bouge, mes mères. Il ne veut pas le faire parce que, bon, il ne lui plaît pas trop. Enfin, il ne lui plaît pas trop. L'image lui plaît, mais pas pour le faire. Donc, du coup, c'est moi qui le fera. Quand j'aurai terminé celui-là, je ferai donc le Johnny Hallyday, moi, après. Et du coup, il va faire le kit que j'ai depuis un petit moment, que je devais faire en partenariat, aussi avec une autre boutique. Et que j'ai mis sur le côté, j'avais pas encore fait depuis un moment, donc c'est lui qui va le faire. C'est des loups avec un attrape-rêve, voilà. Donc lui, il va faire celui-là dès qu'il a terminé le sien. Donc voilà, il a changé d'avis, c'est rien, moi je le ferai, et puis mais je filmerai quand même en train de faire ces loups. Voilà. Bah, du coup, je voulais vous mettre à la fin de la vidéo, là, après mon petit blabla. Je vais vous mettre la photo où il en est actuellement avec son diamond painting du moment. Je vais vous mettre la photo de celui qui va faire après. Voilà. Comme ça, bah, vous l'aurez déjà vu. Et moi, non, il ne faut pas que je baille. Hein. Non, on ne baille pas. Mais là, il est quelle heure? 23h. Bon, d'habitude, j'arrête un peu plus tard, mais là, j'ai assez mal dans mon dos. Donc, vaut mieux que j'arrête, parce qu'après, il faudrait que je me... Là, je vous ferai une vidéo sur celui-là. Bah, je vous dis peut-être ce week-end ou alors lundi. Voilà. J'irai... suivant ce que j'aurais fait, oui, suivant ce que j'ai à faire aussi, pas à gauche. Voilà. Ben là, je vais vous laisser. Je vais aller enfiler mon petit pyjama pour aller faire un gros dodo. D'abord, je vais ranger tout ça. Alors là, c'est pas. J'arrive, ça va. J'arrive à le ranger en le roulant comme ça. Mais je crois que je ne vais pas pouvoir le faire encore longtemps. J'arrive à le ranger encore. Oui, comme ça. Mais je crois qu'après, je ne pourrai plus. Et le problème, c'est qu'il est très très long. Comme il fait 85 cm, il ne rentre pas dans mes. Il ne rentre pas dans mes cartons à dessin non plus. Donc, mais il va falloir que je trouve une solution
pour... j'ai un petit peu de colle qui traîne. Ah, j'ai vu, j'ai perdu. Tant pis. Il faut que je trouve une solution pour le tenir, pour le ranger, qu'il ne s'abîme pas et que les perles ne se décollent pas. Là, je suis qu'au début, donc ça va encore. Et quand je vais arriver dans les autres morceaux, plier, je ne pense pas que ça va le faire. Voilà. Et puis en plus, celui-là, pour trouver un cadre, ça va être chaud bouillant. Hein. Mais bon, on n'y est pas encore. Je regarderai quand même entre deux, comme ça, si j'en trouve un entre deux. Mais bon, là, trouver un... C'est un combien, j'avais dit 45, 85. Voilà. Alors c'est ça aussi, je vous conseille quand vous achetez des diamond painting, quand vous choisissez la taille, choisissez les tailles où les cadres existent. Voilà, comme ça après vous n'êtes pas embêté pour encadrer. Essayez de voir les tailles de cadres qui existent, comme ça, ça vous permet de choisir votre kit en adéquation avec le cadre, parce que des fois vous, comme là bon moi je pouvais pas faire autrement, mais des fois vous vous retrouvez avec un kit et il n'y a pas la taille du cadre. Voilà, donc à moins de le faire sur mesure, et là ça coûte une blinde, donc c'est même pas la peine. Donc essayez de vous choisir des kits. Comme je dis, je me répète là, ça fait trois fois que je dis la même phrase, mais essayez de trouver des kits qui ont, où la taille existe en cadre. Voilà. C'est juste un petit conseil comme ça, supplémentaire. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et bah, très bientôt, sûrement demain. Je ne sais pas pourquoi encore, mais je trouverai. Voilà. Allez. Je vous fais des gros bisous, bonne nuit, parce que moi il est tard, mais bon, je vous souhaite une bonne journée, quand vous regarderez la vidéo, ce sera sûrement la journée, et je vous dis à très vite, bisous, à bientôt.